Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sous ce soleil radieux. Et cette lumière est magnifique sur cette pelouse de grande qualité. Vraiment, les conditions de jeu sont parfaites aujourd'hui pour cette affiche que vous attendiez tant. Vous le voyez sans doute, les tribunes sont pleines, la météo donne le sourire aux spectateurs. Pourvu que ça dure, allez, tout est réuni pour qu'on vive un beau moment ensemble. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. L'arbitre donne le coup d'envoi. Keïta. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. En retrait pour repartir proprement. Et pour lui, attention. Bonne interception, il y avait danger. Traoré. Oh, le bon ballon. Un grand dégagement le plus loin possible. Oui, ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Ça joue long vers l'avant. Il cherche la profondeur. La passe est précise. Il n'a pas pu retenir son geste. Penalty. Mais je crois que l'arbitre a pris la bonne décision. Beaucoup d'application, beaucoup de confiance en ce geste. Il est parfaitement tiré. On y est, le compteur est débloqué. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. Marega. Keïta. Ils sont menés, mais ils ne baissent pas les bras. C'est bien, il faut continuer dans cet état d'esprit. Un long ballon vers l'avant. Kamano. Le ballon sort en touche. Marega. Il s'impose physiquement dans ce duel. Le Mali qui essaye de construire. Va-t-il en profiter? Marega! Il rate le cadre. Quand on a une de ces grosses occasions, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. L'ouverture lumineuse. La passe dans la profondeur. La bonne passe. Allez jusqu'au bout. Il allonge vers l'avant. Kamano qui a de la liberté. Encore 5 minutes avant la pause. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Marega. C'est joué long, attention. Le centre est parti. Ce sera le premier corner du match. Le bon dégagement. On peut y aller. Quelle occasion, attention. Mais le gardien peut s'estimer heureux de ne pas avoir pris ce but juste avant la mi-temps. Le Mali, qui aurait bien pu égaliser sur cette dernière occasion, ça va forcément cogiter à la pause. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. Le Mali n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. Diawara.
Il joue en profondeur. Danger repoussé pour le moment. Et c'est directement récupéré. Ils s'en sortent. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Keïta. Ce sera une remise en jeu. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. L'horloge tourne, mais il ne faut pas baisser les bras. Exact. Oh, l'aspiration! C'était bien joué, dommage. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. Ça joue à gauche. C'est joué long. Oh, bonne lecture, intercepté. Bonne intervention. Et ils essaient de repartir de derrière. Attention, il ne reste que quelques minutes pour ne pas avoir de regrets en fin de match. Ils n'ont plus le choix là, il faut y aller franchement. Dans la profondeur, sur le côté, pour filer droit au but. C'est bien fait ça. Il enchaîne les dribbles. En retrait. Oui, c'est bien défendu. Sur la gauche. Il est bien placé. Il envoie le ballon dans l'axe. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Non, on ne tirera pas aujourd'hui sur la défense malgré cette défaite. Ce sont les attaquants qui ont manqué de conviction et surtout de précision. Vous savez, après ce but, je me disais qu'ils avaient quand même le temps de revenir au score. Mais face à cette défense rugueuse,